Alors Paul, peux-tu expliquer ton sujet et en quoi es-tu intéressé ? Eh bien, mon sujet, en fait, les scientifiques ont voulu savoir à quoi servait l'amygdale. Alors, l'amygdale, c'est une partie du cerveau qui est aussi grosse qu'une amande, à peu près. Et du coup, chez la souris, ils ont utilisé une méthode inédite qui s'appelle l'optogénétique. Et grâce à une lumière bleue, ils ont pu contrôler le comportement de la souris en activant uniquement l'amygdale. Et en fait, ce comportement, on peut le mettre en comparaison avec le comportement d'un zombie, parce qu'elle ne fait que manger et courir. Et du coup, en fait, en comprenant le fonctionnement de l'amygdale chez la souris, on peut l'utiliser à des fins thérapeutiques chez l'humain, notamment pour guérir des tics et des tocs ou des phobies. Merci.